Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. On a quand même un gardien légendaire dans les buts. Vous parlez de Liverpool, j'imagine. Oui, bien sûr. Quand on a une légende comme ça dans les buts, on est forcément plus rassuré. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, voici Neymar. Oh, le talent là. Oh, le contre, l'arme fatale. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est joué long. Un centre. C'est dégagé, loin devant. Oh, Cristiano Ronaldo. Ça joue long. Sanchez qui récupère ce ballon. Ça joue long vers l'avant. Peut-être une occasion pour Messi. C'est joué dans la profondeur. Bon ballon dans la surface de réparation. Donc ça va partir vite. Rabiot. Rabiot qui a un peu d'espace. Assez mal joué, ballon perdu. Hazard. Messi! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. Oh, l'occasion peut-être pour Salah. Messi! Grosse frappe et pourtant il était loin. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. Bien, c'est reparti. Il prend sa chance. Il était parti à la limite du hors-jeu. Neymar. Bruno Fernandes. Il reste évidemment beaucoup de temps dans ce match. Pas besoin de prendre trop de risques pour revenir au score. Du moins, pour le moment. Rabiot. Rabiot qui veut se projeter. On peut y aller. Ils ont notre chance. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis, mais on doit être plus précis dans le dernier geste. Là, ils sont sous pression. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. C'est dégagé. Oh, la frappe! J'ai tenté, ça ne passe pas loin. Et c'était bien frappé pourtant. C'est dégagé. Quelle location, attention! Le match est complètement relancé. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. La bonne interception. Oh, c'est chaud. Il est passé. Oui, il peut y aller seul. La frappe. Il allonge vers l'avant. Bruno Fernandes. Et la porte s'est refermée. Il décide d'allonger le jeu. C'est joué long. Bruno Fernandes. Oh, Messi! Salah. Messi!
Attention, pris au piège du hors-jeu. Ça revient dans l'axe. Attention, Dembélé. Le gardien est là, la classe. Alors ça c'est magnifique, chapeau. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Et ils obtiennent un nouveau corner. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? C'est un nouveau corner, ils doivent en profiter. Il s'est parfaitement libéré du marquage, mais il semble avoir perdu toute confiance au moment de frapper. Pogba. Rabiot. C'est récupéré. La bonne passe. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long, c'est dangereux. Jiménez, qui est récompensé de son pressing. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Neymar. C'est joué dans l'espace. Il s'échappe. Il tire. Et le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Quel scénario! On est passé tout près de vivre un formidable retournement de situation dans les dernières secondes. Ce groupe a vraiment un esprit d'équipe remarquable. On l'a bien vu d'ailleurs en première mi-temps. C'est le fighting spirit qui permet à cette équipe de revenir dans le match. Les équipes rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Ça peut faire mal! Et ça va au fond! Et voilà un capitaine heureux. Oui, il a montré l'exemple et ils vont pouvoir essayer de tuer le match maintenant. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Et voilà avec un petit but d'arrêt. Attention, la frappe. Surtout pas sur moi pour pronostiquer le résultat final. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Faut-il là ? Non, mais ça ne rentre pas. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est joué long. L'interception au bon moment. Oh, très bon ballon. Il se fait pardonner. Pogba. Il est renvoyé par le poteau. Salah. C'est repoussé. Petite faute là. Pogba. Peut-être une occasion pour Messi. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Je crois que le manager a demandé à ses attaquants de rester devant plutôt que de se replier. Ça sent le contre alors ? Ça sent le contre. C'est allongé. Dembélé. Occasion peut-être pour Pogba. Dans la profondeur. Interception, c'était chaud. Il cherche la profondeur. Dans la profondeur, bien vu. Il préfère jouer avec son gardien.
Passe en profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Hazard. Le ballon dans la profondeur. Jordi Alba, il a de l'espace. Attention au centre. C'est repoussé par la défense. Énorme occasion. Un tir. Trop beau. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Le jeu dans l'espace, bien vu. Il y a peut-être un coup à jouer. La tentative. Bien repoussé par le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. La défense bien présente. Mendy, il a vu son coéquipier. Long ballon dans le sens du jeu. Voilà une bonne occasion de contre. Il était bien présent. Le ballon donné dans la profondeur. Faute, c'est indiscutable. Changement s'enchaîne, on dirait bien. Neymar entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. La passe dans la profondeur. Rabiot qui cherche la profondeur. Maradona. Bien, la profondeur. Ça sent la frappe. Oh, c'est au fond. Il repasse devant. Seul face au gardien, ça fait mouche, forcément. Oula, il faut beaucoup de sang-froid dans ces situations. C'est bien joué. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Et les voilà donc en tête. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître d'œuvre. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça ne passera pas. Il allonge vers l'avant. C'est joué long. Et c'est dangereux. Hasard. La volée. Mais le cadre se dérobe. On le sent en pleine confiance, il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile. C'est dégagé, très loin. Il faut centrer. Oui, il est en jeu. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Profondeur. Allez, ça peut faire mal. C'était l'occasion de se mettre à l'abri. Dommage. Oh, Messi! Bien joué, ça! De la tête! Oh, pas de chance sur ce coup! Gabriel Jesus. Matuidi. Ça joue bien. C'est bien ce qu'il fait là. Gabriel Jesus. Centre à ras de terre. En
Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Neymar. C'est joué dans la profondeur. Mendy. Un long ballon vers l'avant. C'est fini. Le match est terminé. Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont complètement renversé la situation dans cette rencontre. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment. Je pense que nous avons vu un sacré retournement de situation. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au vu de les très nombreuses occasions. San Siro, la forteresse du Milan. Quel bonheur de voir ce stade aux couleurs des Rossoneri. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Quel jaillissement! Julie! Ils peuvent contrer. Gullit. Et voici Gullit. Vira qui cherche à construire. Et non, hors jeu.
Corner sifflé par l'arbitre. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé. Ça peut être dangereux. Et il rate le cadre. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Pour Beckham. Il est bien placé. C'est joué dans l'espace. Jordi Alba, il a de l'espace. Beckham à la surface. Attention là. Un long ballon vers l'avant. L'AC Milan, que vous connaissez bien, Darren, en deux, trois mots, vous en diriez quoi? Ils ont un jeu basé sur la possession qui fait un peu penser au tiki-taka. En faisant tourner le ballon pour créer des décalages, ils épuisent l'adversaire. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est dur de courir sans arrêt après le ballon. Ça joue à gauche. C'est joué long, attention. Corner à suivre. Le bon dégagement. La bonne interception. La longue passe. Et le tir. Ballon dévié. Voilà une bonne occasion de contre. Philippe Coutinho, qui a un peu d'espace sur la gauche. Et la touche maintenant. Philippe Coutinho. Oh, voici Philippe Coutinho. La frappe. Oui, superbe. Il est là pour dégager. Brozovic, ça passe. Oh, la frappe. Et il est là encore. Bravo, quelle réaction. Un arrêt de grande classe. Il y a du monde dans la surface. C'est chaud sur ce corner. Un peu d'air pour la défense. Neymar reçoit le ballon. Oh, le coup de tête! En jeu. C'est joué long. Que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil, quel toucher. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Ça joue. Jordi Alba. Centre à terre. Quelle solidité. La bonne passe. Bien servi. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Il peut en profiter. Il peut frapper. On a failli voir un but magnifique. Le ballon était parfaitement dosé. C'est seulement le tir avec aussi bien maîtrisé. Et ils obtiennent un nouveau corner. Beckham. Un corner, c'est une cartouche pour lui. La parade, magnifique. La frappe, attention. Beckham, il va s'occuper de ce corner. C'est dégagé, loin devant. Il tire. Beckham. Ils ont notre chance. Ils ont fait le tour encore rapidement notre but. Pour la reprendre celle-là. C'est bien joué ça. Super timing. On le sent à l'aise sur ces ballons aériens.
L'AC Milan vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Le Milan AC qui délaisse souvent les ailes pour attaquer plein axe. En tout cas, j'ai remarqué ça ces derniers temps. Dans la profondeur. Et c'est intercepté. Philippe Coutinho. L'arbitre qui met un terme à cette première période. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Finalement, ils n'ont que deux buts de retard. S'ils arrivent à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Cristiano Ronaldo. Oh, but ! L'entame parfaite pour cette seconde période. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. Ils n'ont peut-être pas brillé en première période, mais ça va mieux maintenant. Plus qu'un but de retard. Le ballon dans la profondeur. Ça manque de précision, dommage. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il relance côté droit. Ballon en profondeur vers Beckham. Neymar. Koulibaly. Long ballon dans le sens du jeu. Ça ne passera pas. Vira. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Le bon dribble. Attention la frappe. Quel but! Juste au retour des vestiaires pour bien débuter cette seconde période. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Les revoilà dans le match. Oui, ils dominent franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Occasion, peut-être. Il prend sa chance. À côté. La contre-attaque était superbe. Il a juste manqué le dernier geste. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. Mbappé. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. C'est joué long, c'est dangereux. C'est bien fait, ça. Dans la profondeur, vers Gullit. Aucun danger pour le gardien. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Maradona, à droite. Christian Eriksen. Pour Gullit. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Je crois que le manager a demandé à ses attaquants de rester devant, plutôt que de se replier. Ça sent le contre alors ? Ça sent le contre. Christian Eriksen, la relance côté droit, ça revient dans l'axe, il y a danger, allez jusqu'au bout, il peut encore frapper, et pour l'avantage, le gardien était bien présent sur la première tentative.
sur la deuxième. C'est vrai que ce genre de bourde peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. Les voilà avec un petit but d'avance. Oh, ce jeu de passe, quel régal. La passe est précise. Il cherche la profondeur. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Ballon intercepté, ça soulage la défense. C'est joué dans la profondeur. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. De là où il est placé, il peut frapper directement. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. Il frappe directement! Tout en puissance! Et ça frôle le cadre! Qui cherche la profondeur. C'était une bonne intervention. Christian Eriksen. Oh, le bon ballon. Ruben Dias qui récupère ce ballon. Avec Ronaldo. Dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Il rejoue derrière lui. Il prend sa chance. Oh, quel bel arrêt. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. C'est bien donné. Oh, bonne lecture, intercepté. Vira. Mbappé. Quelle fait du bien cette interception. 4 grosses minutes de temps additionnel selon l'assistant. Il allonge le jeu. Attention, occasion. Oui, il peut frapper là. Et ça rentre. Et si ce n'était pas fini? Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. Et le doublé. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Aujourd'hui, les deux équipes méritaient de gagner, ça s'est joué pas grand chose. La chance aura bien sûr été un facteur important. Alors, que retenir de cette rencontre? J'ai surtout été surpris par la fragilité de l'axe de leur défense, une zone qui est normalement bien protégée. Les attaquants adverses l'ont bien exploité et ça se traduit donc par une défaite. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. River Plate a toujours eu la réputation d'être le club le plus huppé de la capitale de l'Argentine, mais ses fans n'en sont pas moins passionnés, vous pouvez les entendre. Et le match est donc lancé. Bon, Larraine, j'aime bien vous demander votre pronostic sur l'homme du match, mais là, franchement, le choix s'impose tout seul, non? Eh oui, difficile de vous contredire, Grégoire. En Argentine, il appelle le fils de Dieu. Je ne sais pas s'il a les pieds de son père, mais il en a les mains, c'est certain. À part ça, il fait ce qu'il veut du ballon. C'est un pur génie. Le bon dribble. Il est servi. Darren, on va avoir besoin de vos lumières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'équipe d'en face? Ce n'est pas qu'il manque de joueurs capables de construire, mais le truc, c'est le contre-attaque. Et quand on a des ailiers rapides, eh bien, ça peut aller très vite. Et en quelques secondes, on passe d'un but à l'autre. Skriniar. Kimmich. La passe dans la profondeur. Oh, ils l'ont échappé belle. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser, ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien... Énorme occasion. Attention, là. Et c'est un corner. Ce sera le premier corner du match. Le bon dégagement. Jusqu'au bout. Oh, c'est un arrêt important, ça. Ça, c'est magnifique. Chapeau. Bien, la profondeur. Oui, il peut frapper là. Ça va au fond. Seul face au gardien, ça fait mouche, forcément. C'est clair, il n'a pas tremblé, il est allé au bout de son action. Bravo. Et ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Il met la tête. Vira qui choisit le côté gauche. C'est joué long. Bruno Fernandes. Oh, Agüero. C'est joué dans l'espace. Mais il paraissait bien seul aussi. Il se rattrape bien. Matuidi. Neymar. Oh, Cristiano Ronaldo. Sur la gauche. Il est tout seul. Le centre de... Ça peut faire mal. À côté. Oh, que c'est dur. C'est une occasion en or. Avec Ronaldo. Chilwell. Mais il était bien présent. C'est un peu brouillon. Cristiano Ronaldo. Il allonge le jeu. Quel jaillissement. Il frappe loin devant. Skriniar. Qui était encore une fois parfaitement placé. En touche.
Bruno Fernandes. Il tente de la jouer dans l'espace. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il est passé. Et c'est intercepté. Ça joue long vers l'avant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il avait laissé l'avantage, mais il lui a un carton quand même pour la faute précédente. Rabiot qui récupère ce ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Rabiot qui a de l'espace. Bruno Fernandes qui cherche à construire. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. La longue passe pour la profondeur, bien vu. Cristiano Ronaldo, ça peut rentrer cette fois. Oh, le but! Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bon, le plus important, c'est surtout d'éviter de prendre un autre but. Après, ils sont capables de revenir au score. Matuidi. Il y a peut-être un coup à jouer. La frappe sur le poteau. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Rabiot. Oh, attention. Et il va être sanctionné. C'est un coup franc très intéressant. Ça pourrait leur permettre de revenir dans la partie. Kimmich avec Dembélé. Vira qui est récompensé de son pressing. Cristiano Ronaldo. Stéphane De Vrij. Kimmich. Pour Neymar. Ça joue à gauche. C'est envoyé dans... De la tête. La parade spectaculaire. Quel tir, c'était un arrêt extraordinaire. Le ballon dans la profondeur. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Agüero. Voici Maradona. C'est joué long. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. La faute.
Un peu de sang neuf dans les deux équipes. C'est joué long, attention. Filippo Inzaghi, bien repoussé par le gardien. Oui, il était bien concentré, bravo. Il relance côté droit. La faute est sifflée. Maradona, et il perd l'équilibre avec Maradona. Oh, Filippo Inzaghi, il s'impose physiquement dans ce duel. C'était un peu téléphoné comme passe. Dans la profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Long ballon dans le sens du jeu. Il a du champ sur le côté. Ça joue long. Rashford, il a de l'espace. Quelle notation, attention! Cristiano Ronaldo, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Maradona, c'est bien fait ça. Oh, quel caviar! La faute. Cristiano Ronaldo avec Rashford. Oh, Cristiano Ronaldo. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il est bien placé ce coup franc, il pourrait la tenter directement. Cristiano Ronaldo. Sanctuaire, quel but sanctuaire. Un moment de pure inspiration. Yes, yes, yes. Fin de match. Oh, c'était parfait, le gardien ne pouvait rien là-dessus. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Inzaghi. Ils obtiennent un coup franc. Jouer long, attention. Et ce ballon devant le but. Il cherche son coéquipier. Ce contre peut très bien aller au bout. Oh, le bon ballon. Il cherche la profondeur. Oh, c'est bien fait. En jeu, apparemment. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Mais il y avait un tout petit écart aujourd'hui entre les deux équipes, on l'a bien vu sur la pelouse. Ce qu'on retiendra malheureusement, c'est la défaite. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est normal de vouloir gagner devant son public, bien sûr, mais là, ils se sentent trop jetés à l'abordage. Il faut mieux maîtriser ces élans offensifs, messieurs. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Le sucre Sarakoglu est toujours aussi spectaculaire quand les fans de Fenerbahçe le remplissent, comme aujourd'hui. Ils obtiennent un coup franc. Ça commence fort, il est intéressant ce coup franc dès les premières minutes du match. Oh, l'intervention magnifique! Se retourner face au but. Quel dommage. Fenerbahçe, que vous connaissez bien, Darren, en 2-3 mots, vous en diriez quoi? C'est clairement une équipe de contre. Avant, seules les équipes dominées jouaient comme ça. Mais ce n'est plus du tout le cas, quand un ballon récupéré peut très vite se transformer en occasion de but. Qui est récompensé de son pressing. C'est bien fait, ça. Benzema. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Impossible pour le... Mais il va être sanctionné. Occasion pour Neymar. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est une occasion. Le ballon est touché. Corner. Premier corner dans cette rencontre. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Voilà, un intéressant. Encore un coup de pied arrêté, il s'enchaîne en ce moment. Oh, la tête! Allez, c'est un but! Un coup.
coup franc parfait déposé sur sa tête. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention messieurs, il faut rester concentré. C'est osé. Oh, voici Neymar. Bien, la profondeur. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, Benzema. Toni Kroos. La longue passe. Il va se présenter devant le but. Neymar qui sent. Et la tête. Ça passe à côté d'un rien. Eh ben, dis donc, c'était chaud. Philippe Coutinho qui cherche à construire. La faute. Kimmich. Bon, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime. Mais il pratique quand même un joli tiki-taka. Disons que si c'est juste pour faire tourner le ballon dans sa propre moitié de terrain, ça ne sert à rien. À part énerver tout le monde. Mais quand c'est au service de la construction, pour avancer, là c'est quand même beau. Dans la profondeur. Juste au-dessus de la transversale. C'était un tir plus que correct, ça m'a été sans doute un meilleur sort. Il y aura donc touche. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. La passe dans la profondeur. Oh, l'aspiration. Oh, dommage, la passe était parfaite. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle triplée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça joue à gauche. Peut-être l'occasion pour Neymar. Long ballon dans le sens du jeu. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué dans la profondeur. C'est récupéré. Neymar. Oh, Benzema. Ruben Dias qui cherche la profondeur. Cristiano Ronaldo. Oh, le poteau. Ça s'est joué à rien. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Il est sorti du jeu. C'est joué long, c'est dangereux. Ça, c'est une interception parfaite. Oh, Benzema. C'est joué long. Oh, c'est chaud. C'est reparti, ils peuvent contrer. Allez, au bout. Neymar. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. C'est quand même extraordinaire ce qu'il arrive à faire avec la balle. J'adore tous ces dribbles. Et ils vont effectuer cette touche. Coutinho. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Bonne interception, il y avait danger. Neymar. Ah, il a trébuché sur cette intervention. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est joué long, attention. Brozovic. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Un partout, c'est un score qui ménage le suspense pour la seconde période.
Nous avons assisté à une très très belle première période, vraiment de toute beauté. Espérons que nous aurons droit à autant de rebondissements en deuxième période. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score un partout. Voilà, c'est reparti. Vira. La bonne interception. Messi. En dribble, c'est bien fait. Ils obtiennent la touche. Philippe Coutinho. Neymar. La passe est précise. Toni Kroos. Kroos. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Et il a l'air dégoûté. Franchement, on le comprend en plus. C'était tellement bien amené. Vira. Il cherche son coéquipier. On le contre, l'arme fatale. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il peut tirer. Oh, bonne lecture. Intercepté. Thiago. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Avec Mahrez. Vira. Oh, Cristiano Ronaldo. Benzema, qui a déjà marqué aujourd'hui. Ça joue long vers l'avant. Neymar. Oh, Cristiano Ronaldo. Dans la profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Thiago. Toni Kroos. Toni Kroos. Avec Ronaldo. C'est joué dans l'espace. Il est bien placé. Il file dans l'axe. Difficile de tirer. Il tire. La parade. Magnifique. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Alors, comment vont-ils jouer ce corner ? Sergio Ramos. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est joué long. Maradona à droite. Maradona. Ça joue long. Là, ils sont sous pression. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Se rattrape bien. Il est sorti du jeu. Sortie de but ou corner ? Corner. Allez, de la tête ! Oh, pas de chance sur ce coup.
Sergio Ramos. Oh, voici Neymar. Je joue. Piqué. Maradona. Messi qui récupère ce ballon. Rashford. Touche. Un ballon intéressant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oh, Cristiano Ronaldo. Il cherche la profondeur. Bien servi. Oh, la grosse occasion. Ouais, il frappe encore. Et oui, but. Voilà la situation complètement inversée. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître d'œuvre. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Se mettre en position de frappe, c'est rageant. Il est tout seul. Il y a peut-être un coup à Cristiano Ronaldo. Oui, c'était bien cela, mais c'est mieux quand c'est au fond. C'était bien vu, dommage, le geste n'est pas génial. Messi. Le ballon dans la profondeur. Il était bien présent. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Joué dans l'espace. Il est à distance de tir. Il file dans l'axe. Il prend sa chance. Il marque. Deux buts d'avance. La différence est faite. Pour lui, c'était presque trop facile. La défense était un peu à la rue, à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Encore un changement, alors que le pressement venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que de risquer la blessure. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. Quel timing dans l'interception. Jordi Alba. Savic. Mohamed Salah. Sur la gauche, ça revient dans l'axe. C'est joué dans la profondeur. Il est renvoyé par le poteau. Il peut frapper. Le bon ballon. Ou que ça va partir vite. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. C'est vraiment une victoire tactique magnifique de leur part. Ils étaient menés dans cette rencontre et ils ont réussi à totalement revenir au score. Bravo à eux. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment. Je dois avouer que je ne l'ai pas vu arriver et j'ai encore du mal à comprendre. On avait une équipe qui dominait avant de se faire dominer plus tard. C'est remarquable.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. River Plate a toujours eu la réputation d'être le club le plus huppé de la capitale de l'Argentine, mais ses fans n'en sont pas moins passionnés, vous pouvez les entendre. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Le FC Barcelone, que vous avez souvent vu jouer l'arène, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, ils ont une tactique très reconnaissable, avec des passes courtes, rapides et souvent en une touche. Du coup, c'est pas très... La tentative ! Et le dernier qui s'en sort derrière ! Hernandez, qui a un peu d'espace. Peut-être l'occasion pour Cristiano Ronaldo ! Il allonge. Oh, l'intervention de Jiménez. Mendy, c'est joué long. Bruno Fernandes. Matuidi, qui récupère ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Oh, Griezmann, il écarte sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il décide d'allonger le jeu. Matuidi. Bon service dans la profondeur. Griezmann qui choisit le côté gauche. C'est parti. C'est bon, le danger est repoussé. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Et la tête ! C'est repoussé par la transversale. Mendy qui dégage. Marquinhos qui est récompensé de son pressing. Chamberlain. Ça combine bien là. C'est osé. Cristiano Ronaldo, bonne interception, il y avait danger. Jordan Anderson, il allonge vers l'avant. Il a stoppé l'attaque adverse. Chamberlain. Oh, Cristiano Ronaldo, ça peut partir en contre. Sergio Ramos. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Matuidi. Jordan Anderson. C'est bien joué, bonne intervention. Oh, Griezmann, la passe dans la profondeur. Matuidi. Matuidi, qui a un peu d'espace. Il relance côté droit. C'est joué long, c'est dangereux. Il choisit la profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Bien, la profondeur. Ça joue à gauche. Matuidi. Bruno Fernandes qui cherche la profondeur. Oh, voici Dembélé. Cristiano Ronaldo. La profondeur, bien vu. Cristiano pour Barcelone. Oh, Griezmann. S'il le trouve. L'ouverture sur le côté. Neymar, il a de l'espace. Neymar qui centre.
Ronaldo. On s'est bien joué. Il file dans l'axe. Un bon centre dans la surface. Cristiano Ronaldo. Et c'est un corner. Sanctionné par l'arbitre. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Alexandro, ce ballon bien dosé. Allez, ça peut faire mal. L'arbitre désigne le poteau de corner. Peu de répit. Il joue sur sa gauche. Oh, Messi ! Hors jeu, apparemment. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Un début dans cette première période, mais ce match est de loin d'être terminé. Ils ont tourné très fort. Et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Il faut qu'ils reprennent avec la même intensité. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période a donc déjà débuté. Pas de surprise pendant la pause, le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Long ballon dans le sens du jeu. Matuidi. Messi ! C'est joué long. Oh, bonne lecture, intercepté. Dembélé. Et la porte s'est refermée. C'est bien fait, ça. Le ballon dans la profondeur. Messi. Rabiot. Ça joue long, vers l'avant. Ils sont décidément très solides dans cette zone. Messi. Oh, Griezmann, c'est joué dans l'espace. Bruno Fernandes. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, voici Dembélé. Ça, c'est une interception parfaite. C'est joué dans la profondeur. Énorme occasion. C'est un peu oublié, manque de concentration. Mais qu'est-ce que... On n'a pas oublié dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des antisèches, les gars. Et ça fait donc 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Jordan Anderson, c'est bien donné. Il tente de la jouer dans l'espace. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. L'horloge tourne, il ne faut pas baisser les bras. Exactement, oui. Bruno Fernandes. C'est joué long. Messi.
avec Ronaldo. Maradona. Oh, l'occasion. Il faut quand même féliciter les gardiens, c'était une sacrée parade. Alexandro. La passe en profondeur pour Maradona. Maradona. Bien servi. Jordan Henderson. La passe est précise. Maradona. Il décide d'allonger le jeu. Un long ballon vers l'avant. Arnold. Oui, il peut frapper là. Ah, c'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Rashford ne s'est pas posé de questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. Arnold. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Il mène toujours 1-0 en ce milieu de deuxième période. Il était bien présent. Il joue en profondeur. Mendy, il allonge vers l'avant, sur la gauche, dans la profondeur. Et c'est intercepté. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Long ballon dans le sens du jeu. Encore une récupération de balle. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Messi. Maradona qui choisit le côté gauche. L'interception, bien joué. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. C'est joué long. Attention. Attention dans l'axe. Oh, le bon ballon. Dans la profondeur. On peut y aller. Attention à ne pas prendre de but sur ce corner. Le plus dur, mais le gardien était bien présent. Dans la profondeur, Rashford reçoit le ballon. Le bon dribble. Oh, l'inspiration. Oh, bien qu'il fait double d'écart, les amis. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Le bon ballon. Rashford. Ouais, il paraissait bien seul aussi. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie, il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci, Darren, de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Merci, Grégoire. On remet ça quand vous voulez.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et le coup d'envoi de la faute. Ça passe jusqu'au bout. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Quelle intelligence dans la finition. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Darren, on va avoir besoin de vos lumières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'équipe d'en face? On peut s'attendre à un jeu de passe léché, avec beaucoup de mobilité et de longues séquences de conservation du ballon. C'est vraiment difficile de prendre la balle à cette équipe. Il faut être au pressing et l'étouffer pour lui laisser le moins d'espace possible. Philippe Coutinho. Oh, Cristiano Ronaldo. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Saoul. Messi. Arnold. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien ce qu'il fait là. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Voici Mahrez. C'est joué long, attention. Il est bien placé.
action qui stoppe net ce one-man show. Saoul. C'était une bonne intervention. Philippe Coutinho. Bonne intervention. Radu. Il reste évidemment beaucoup de temps dans ce match. Pas besoin de prendre trop de risques pour revenir au score. Du moins, pour le moment. Vira. Oh, voici Kane. Messi. C'est joué dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Dans la surface. C'est allongé. Ça peut être extrêmement dangereux. Bien servi. Oh, Messi! Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Il est à distance de tir. Saoul. Messi. Saoul. Vira. Oh, voici Kane. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Ça joue long. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Vira. Coutinho. Philippe Coutinho. Qui cherche à construire. Oh, l'occasion. Mahrez. Oh, le but. Et ils sont revenus à hauteur. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Oh oui, super tir. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Ce ballon bien dosé. C'est joué long, c'est dangereux. Ballon perdu, c'est dommage. C'est joué long. Il va frapper, attention la frappe. Oui, superbe. Ce sera le premier corner du match. Et le gardien peut s'en saisir. Neymar. Il joue sur sa gauche. Il est tombé sur plus fort que lui. Oh, Messi! La passe est précise. Oh, Cristiano Ronaldo! Il allonge le jeu. Neymar. Coutinho. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Saoul. Cristiano Ronaldo. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Et ce sera pour personne. Il sera pas à temps sur cette balle. Il est tout seul. Oh, voici Philippe Coutinho. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Un partout, c'est un score qui mène en suspense pour la seconde période. L'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause. Et elle a eu le mérite d'égaliser. C'est bien joué. Les équipes rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout.
Et la seconde période est lancée. Neymar. La longue passe. Et c'est intercepté. À la barre. Ça joue long vers l'avant. De Jong. Philippe Coutinho. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Oui, il peut frapper là. Oh, le gardien est là. La classe. Et voilà une façon de faire briller le gardien. C'est repoussé. Il essaye de faire la différence côté gauche. Le bon dribble. C'est bien fait ça. Oh, il faut frapper. La tentative. Attention là. Nelson Semedo qui joue long. Philippe Coutinho. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. De Jong. Ruben Dias qui cherche la profondeur. Vira. Oh, voici Kane. Peut-être une occasion pour Messi. Il cherche la profondeur. Avec Saoul. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Ça, c'est une distance qui lui convient parfaitement. Il devrait tirer ce coup franc. L'arbitre signale une faute. Oh, il y a danger. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, il peut y aller seul. Oh, la frappe. Oh, c'est chaud. Le centre. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Que ça va partir vite. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, ils l'ont échappé belle. Alors là, bravo au défenseur. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Oh, voici Kane. Le ballon piqué sur le côté. Piqué. Oui, petite faute là. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. De Jong. Il est servi. Trouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Les voici avec un but d'avance. Bien, la profondeur. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Dans la profondeur. Maradona qui a mis son pied en opposition. Oh, Cristiano Ronaldo. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Il peut frapper. Et oui, but.
ce match devient complètement fou. Et oui, il ne lâche pas l'affaire, comme on dit. Chapeau. Et surtout, quel toucher de balle. Ce lob est parfaitement ajusté. Quel match. En tout cas, il ne lâche rien. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention, messieurs, il faut rester concentré. Mbappé. Quelle passe. Le ballon dans la profondeur. C'est bien donné. Mbappé. Oui, c'était bien ce lob, mais c'est mieux quand c'était faux. Il a essayé de surprendre le gardien, mais il manque un petit truc à la fin. Avec Maradona. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Oh, Cristiano Ronaldo. Il est passé. Attention. Le poteau. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. S'il le trouve. La profondeur, bien vu. Le drapeau s'est levé hors jeu. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Oh, Cristiano Ronaldo. Quelle intervention de Piqué. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Maradona. C'est osé. Dira. C'est bientôt terminé, il faut vite trouver une solution. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. On s'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. C'est toujours un plaisir à partager.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on va se régaler. Des tribunes bleues et grenats, un hymne qui retentit. Pas de doute, on est dans un des temples du football, au Camp Nou. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Ah Grégoire, je suis content de voir jouer David. Vous m'en direz. Vous savez, on parle souvent de lui pour ses coups francs, mais on oublie de dire à quel point c'est intéressant. Alors, quand on allie talent, travail et détermination, ça donne un cocktail incroyable. Il n'a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Oh, le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien, là. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Aucun round d'observation. C'est le choc qu'on attendait. Neymar! La longue passe. La frappe, attention! Un long ballon vers l'avant. Vidal! Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Avec Ronaldo. C'est bien, la passe à 10. Neymar! Et ça fait but! Ils sont vraiment entrés dans ce match de la meilleure des manières possibles. Quelle grosse frappe, et pourtant il était loin. Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts. Et je dois dire, c'est mérité. Piqué, il allonge vers l'avant. Bon service dans la profondeur. Bruno Fernandes, Rabiot qui choisit la profondeur. Cristiano Ronaldo. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il a trébuché sur cette intervention. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Piqué, quelle passe! S'il le trouve. Vidal! Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, qui a un peu d'espace dans la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Neymar qui centre. Matuidi. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Ils ont beau être menés au score, on sait qu'ils ont le potentiel pour revenir dans ce match. Oh, Cristiano Ronaldo, ça peut être extrêmement dangereux. Vidal, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Neymar, pris au piège du hors-jeu. Jiménez, Matuidi, Bruno Fernandes qui cherche à construire. C'est bien donné. Beckham, il cherche la profondeur. Bonne intervention. Le bon dribble. Le duel avec. Oh, la frappe! Il peut encore frapper. Ça peut.
Et bien, dis donc, c'était chaud. Bruno Fernandes. Neymar. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Neymar. Encore une récupération de balle. Ça peut partir en contre. Ils sont sur tous les ballons. Quelle défense. Il est passé. Il progresse encore. Ça peut faire. Du jeu collectif qui passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout, il y a but. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. C'est osé. Bien servi. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer.